Bonjour, les 15 et 16 avril à noter dans votre agenda, c'est le marché aux plantes au parc zoologique et botanique de Mulhouse. Elwood Boisa sera présent pour la première fois. Rencontre avec ce chocolatier confiseur de la maison Fleur de Chocolat. Il fait la part belle aux fleurs, reportage gourmand et floral. Autour de nous, là, on a plein de couleurs, on a plein de senteurs. C'est dans les fleurs que vous puisez votre inspiration? Oui, totalement. Ouais. Le but de mon travail, c'est de retranscrire le parfum des fleurs. La fleur va m'inspirer dans chaque processus, dans la création de mes produits. Comment est-ce que la fleur intervient dans vos créations? Alors maintenant, je me définis comme chocolatier confiseur floral. C'est vraiment l'essence de mon travail, de mettre en avant le parfum des fleurs. J'ai repris des techniques comme l'enfleurage, donc des techniques qu'utilisaient les parfumiers de Grasse pour vraiment que le chocolat soit imprégné de ses odeurs. Alors pour l'instant, j'ai 4 chocolats. On a un chocolat à la rose de Damas, un chocolat au jasmin grandiflorum, un chocolat qui va avoir des notes de vanille grâce à l'aspérule odorante et un chocolat noir à la fleur de sauge. Alors vous faites du chocolat, mais vous faites aussi des pâtes de fleurs? C'est ça, exactement. Ouais. Pâtes de fleurs, donc il n'y a pas de fruits dedans. C'est aussi un principe d'infusion. La fleur, elle vient dégager son parfum, ses couleurs aussi. J'utilise pas de colorant. C'est uniquement la fleur qui donne les teintes et le parfum. On est là dans l'enceinte du parc zoologique et botanique de Mulhouse avec plein de fleurs autour de nous. C'était tout naturel pour vous d'être présent au marché aux plantes? Oui, tout à fait. Le zoo de Mulhouse, c'est des souvenirs d'enfance. J'y allais quand j'étais petit. J'y vais aussi maintenant avec mes enfants, donc c'était évident. Oui. Coucou les chameaux, ils laisseront leur place le week-end des 15 et 16 avril aux exposants du marché aux plantes. Ils seront 70, un rendez-vous incontournable des amoureux des plantes et du chocolat avec Elwood. Venez à sa rencontre, tous les renseignements sur le site internet du parc. À bientôt, ciao.